Eh bien, salut tout le monde, c'est Rambo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir, sur du Call of Duty 3. Et attention, nous sommes sur PS2. Et pourquoi je dis nous? Parce qu'aujourd'hui je ne suis pas seul à vous commenter cette vidéo, je suis avec l'alchimiste, donc salut à toi. Salut Rambo, salut tout le monde. Donc voilà, on va commencer la série Retro Gaming, donc un petit peu de Call of Duty 3 sur PS2, histoire de changer que tout le temps vous proposez de la Next Gen ou de la PS3. Revenir un petit peu au old school sur PS2, je pense que ça peut faire plaisir. Hein. Ouais, bah oui, ça fait toujours du bien de revenir aux sources. Oh que oui. Donc, pour moi, ça va être une découverte du jeu. Je l'ai jamais fait du tout, donc voilà. Allez, c'est parti. Nouvelle partie. En normal. On fera le difficile un peu plus tard. On va pas chercher la petite bête déjà, hein. Doucement. Voilà. Donc comme j'ai dit, c'est une découverte totale pour moi, j'ai jamais fait ce jeu sur PS2, parce que j'ai connu Call of sur PS3. D'ailleurs ce jeu c'est mon beau-frère qui me l'a prêté. Et bon, graphiquement... Waouh. La claque. Ah ouais, non, c'est... Ça dépasse la PS4, tu vois. Oh là là. Mais ça change, hein. Ça change vraiment, hein. Même... au niveau des ennemis et tout, déjà on sait d'ores déjà qu'on va fraguer du nazi, on s'en réjouit d'avance, j'aime bien. Ouais, non mais je trouve que ça fait plaisir quand même de revenir sur PS2, même si graphiquement c'est pas beau, je pense que pour l'époque où on a eu la PS2, où la toute première PS2 est sortie, je pense qu'on se disait tous, waouh mais c'est beau, c'est bien comme jeu, c'est super beau. Bon, c'est clair que maintenant en ayant joué à la PS4, qu'on voit la claque qu'on se prend sur un jeu PS4, on retourne sur PS2, c'est... Voilà, qu'on pleure, nos yeux pleurent tout seuls tellement que graphiquement ça nous pique les yeux en fait. Oui, puis c'est un FPS, hein, c'est pas une aventure, une action-aventure, on va s'arrêter et regarder le paysage. Hein. Ouais, non, voilà. Là, c'est plus tuer les mecs qu'autre chose. Hein. Et on est chez nous, salaud, en Bretagne, on est en France. Et ça fait. Enfin, tu es belge, je suis français. Mais voilà, un jeu de guerre, chez moi, je dis jamais non. Ah, écoute, tu m'apprends quelque chose. Alors, appuyez longtemps sur Select pour consulter vos objectifs. Terminer l'entraînement, avancer jusqu'à Huxley. Ok. Là, pour le moment, je ne peux encore rien faire. On suppose que Huxley est un soldat américain, hein, j'espère. Sinon, c'est chaud. Bah, je pense qu'avec un nom pareil, il doit pas être français. Hein. Huxley, sympa. Oh, aïe, aïe. Le même gars, oh là 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 là. Oui, mais elles sont où les cibles? Ah, c'est les casques? Oh, aïe, aïe, la maniabilité, c'est chaud. Oh, on peut pas régler la sensibilité, hein. On n'est pas dans un Modern Warfare, là. Hein. Attends, parce qu'il faut pas que je loupe mon coup, je suis en train de me concentrer. Hop. C'est bon. Si, y a moyen, attends. Tu t'es foutu de ma gueule sur Destiny, on va... je vais me fendre la gueule là-dessus, tu vas voir. Ma précision, mais je t'en prie, je t'en prie. Tu l'as démonté, là, je vais pas me gêner. Ah non, on peut pas régler la sensibilité. Bon, écoute, on fera avec. Hein. Ah ouais, déjà, j'ai l'habitude d'appuyer sur rond. Vertical, c'est pas ça, non? Ouais, parce que c'est lent, quand même. Non, c'est la sensibilité horizontale et verticale. Bon, je vais peut-être pas la mettre à fond, hein. On va pas faire le show de patate tout de suite. Voilà, retour. Dire que la sensibilité existait déjà sur PS2, vous vous rendez compte? Ouais. C'est magique. Ah, là, ça va déjà un petit peu... Ouais, c'est bien, c'est bon. Et quoi, je dois faire quoi maintenant? Celui d'instruction, je pense. Avancer jusqu'à ce que les prenez un magarant, tirer sur les casques, ouais, c'est fait. Et... Tout est fait, le bonhomme parle, je crois, non? Bah attends, parce que... L'objectif, c'est la petite médaille en bas à gauche, là? Oui, je pense. La petite médaille jaune, c'est l'objectif principal à atteindre. Alors, voilà. Oui, attends, parce que je dois lancer les grenades là-dedans. C'est bon. Ouais, oula, on voit que j'ai fait du basket, quand même. Hein. C'est bon? Je suis bloqué. Ah putain, c'était une... Attends, tu aurais que c'est là. Hein. Ouais. Lancer une grenade fumigène. Ok, je dois la lancer où? Là-dedans? Ouais, vas-y. Apparemment. Je sais pas, parce que le... Peut-être attendre que... Je suis prêt à affronter les boches, c'est ce qu'il a dit. Appuie longtemps sur la touche Select. Terminer l'entraînement. Oui, c'est fait. Et...
C'est mieux quand il y a des boches en dessous. J'ai rebalancé un truc, mais... Ah, la touche select. La touche la plus inutile. Ouais. Bah là, donc le Crossbow nous sert. Hein. Bon. Ah, ah ouais, par contre, ouais. On ne peut pas courir. Non. Si. Attends, peut-être qu'après, là, déjà, on a... Oui, là, tu vas faire des petits obstacles, petit à petit, mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir tracer, hein. C'est un genre de vita qui sert, hein. Ouais, aussi. Ah, si, voilà, R3... Ah non, R3 pour une attaque de mêlée. Ok. Normal, comme un Call of. Et je trouve que même pour du PS2, hein, c'était quand même... Ouais, la M1-40, la Thompson et tout, ça, c'est vraiment du triarche. Voilà. C'est vraiment du triage. On retrouve les mêmes dans l'oratoire. Exactement. Ouais, c'est les mêmes armes. Bah, je pense que ça se passe au même moment de la guerre. Hein. Oui, oui. Bah, de toute façon, au triage, c'est ancien, c'est Seconde Guerre mondiale, zombie, enfin, zombie pour plus tard, hein, avec Black Ops et oratoire. Mais sinon, c'est vraiment nazi et tout. Bah, oratoire, il y avait une petite partie avec les Japonais, là, qui était bien marrante. Ah oui, juste. Ouais, là, en fait, c'était du nazi et du japonais en même temps. Ouais, là, c'est 100% nazi. Ouais. Enfin, je pense, je sais pas. Je l'ai jamais fait. Enfin, de toute façon, d'où son nom, hein, Call of Duty 3, en route vers Paris ou en marche vers Paris, je sais plus trop. Je pense c'est en marche vers Paris. Le jeu existe aussi sur PS3 à sa sortie. Il est sorti aussi à sa sortie sur PS3. D'accord. Ah ben ça, je ne savais pas. Bah si, ouais si, parce qu'il y avait du multi... On pouvait jouer en multijoueur, mais je l'ai jamais trouvé. Sinon, j'aurais bien voulu tester le multijoueur pour voir. Oh mon dieu. Ça devait pas être joli, joli, hein. Moi, je pense qu'un petit retour aux sources, parce que j'ai déjà vu quelques gameplays sur le multi, hein. Ça avait l'air vraiment pas mal, mais bon, honnêtement, s'il y a 6 joueurs sur le jeu, voilà, c'est le maximum, quoi. Allez, jusqu'à la ligne de front, bah on attend, hein. Ça roule. Donc tant que ça roule, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc c'est un let's play, hein, tout simplement. Je vais faire tout le mode histoire. Donc en plusieurs épisodes, je pense que je vais faire des épisodes de 30-40 minutes. J'adore le mec qui court comme quoi. Et il s'est fait défoncer. Oh non, moche. Le pauvre. Ah, je suis vénère. Donc voilà, donc je disais, ça va être des épisodes de 30-40 minutes, et à chaque épisode, en fait, je vais inviter soit un autre youtubeur, soit un ami, pour le commenter avec moi, pour pas que je sois tout seul. Parce que c'est vrai que commenter une vidéo pendant 40 minutes tout seul, il peut y avoir des blancs, il peut y avoir des moments où je parle pas du tout et que je suis vraiment concentré dans ce que je fais, que j'en oublie carrément de parler, j'oublie le commentaire. Donc, c'est pour ça que je préfère avoir quelqu'un d'autre qui parle avec moi, comme ça au moins quand je sais plus quoi dire, bah, il prend la relève. Donc ouais. Voilà. Donc si pour le prochain épisode il y a des gens qui veulent participer, enfin pour les prochains épisodes, mettez en commentaire de cette vidéo le pseudo de votre Skype, je vous rajoute et on se fait ça. Voilà. Tout simplement. Et, d'ailleurs moi je te remercie pour être le premier à commenter ce let's play de Code 3. Hein. Ça fait toujours plaisir. Ah bah ouais, écoute, j'ai pensé à toi parce que vu que tu es un... Touche à tout. Voilà, tu touches à tout et puis tu as énormément de trophées sur PS3, donc t'as déjà joué à énormément de jeux, donc je pense que t'as déjà dû sûrement y jouer à celui-là. Alors, j'ai joué sur PS2, j'étais encore un ado à l'époque, parce que sur PS3, ce jeu il est sorti en début de la PS3, et il n'y avait pas encore de trophées. D'accord. Et voilà, il est sorti sur PS3 bien après sa sortie sur PS2. Donc j'avais déjà fait. Attends, là il y a une MP40, je la ramasse. Ouais, mais elle est très bien la Captain. Ouais, mais je prends les deux. Comme ça au moins quand je tombe à côté. De toute façon, on varie, t'as raison. Ah, par contre, il y a la visée automatique, ça va m'aider par contre. Je suis pas un Bon, par contre, je pense que c'est comme tous les Call of, si on n'avance pas, qu'on reste au même endroit, les ennemis vont toujours spawn. Ouais, je veux, il y a quelques séquences à mon avis où ça va spawner à l'infini et obligatoirement il faudra avancer. Voilà, donc. C'est pour ça aussi que je fais toujours les jeux en mode normal et pas tout de suite en mode difficile. Vous imaginez en mode difficile, vous connaissez pas le jeu, ça spawn à l'infini et tout. Non, attendez, je vais vous donner.
C'est pour ça que là je l'ai mis en mode normal, parce que je m'en suis douté, parce que tous les Call of sur PS3 que j'ai fait, enfin je les ai tous fait bien sûr, il y a des endroits dans certaines missions, si vous restez au même endroit tout le temps, ben en fait ça va se faire que spawner. Tiens toi, mange-toi un coup de crosse. Là j'ai déjà failli crever, hein, pourtant on est qu'en normal. Ouais bah on se planque et on attend que ça se régénère. Ah ouais, le nouveau système de régénération de santé hein. Là 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 là. C'est pas comme ça avant hein. Non du tout. D'ailleurs tu vas voir, enfin vous allez tous voir que je suis un gros bourrin durant les modes solo. Moi c'est comme en multi, j'arrive pas à rester en place, même en mode solo c'est un truc de dingue. Je crois que c'est, il y a que le Call of Duty 1, le, qui s'appelle le Call of Duty classique, que c'est le seul à ne pas avoir de barre de vie qui se régénère. Jamais fait non plus. Très difficile. Et non, je confirme, on ne peut pas courir. Il est allié le... Non, il n'est pas allié le chat. Non, même L3, non, ça marche pas. Enfin, L3, on est sur PS2, alors... Non, R3 c'est pour donner un truc, et L3 j'ai beau appuyer dessus comme un malade, ça ne veut pas. Putain, mais il leur faut combien de balles pour mourir? Bon écoute, merde je l'ai pas eu. Ah, sauve-toi, mais il m'a bloqué. Ouais. Bon, ça arrive, ça arrive. Hein. Au moins ça prouve que hein, c'est pas une partie... Ah mais je suis pas un PGM. Hein. Voilà. Faut pas croire que je vais faire tout le mode solo sans mourir. Mais surtout que si tu bourrines comme tu le fais, oui, il y a peut-être un moment quand même où il faut lever le pied et... Oh non hein. Oh putain, j'ai dû recommencer depuis le début, c'est quoi cette connerie? Non, arrête. Ah bah si. Ok d'accord, il se prend 3 balles de Magaran, il meurt pas. Bienvenue dans la PS2. Bah, on retrouve le même système sur PS3 ou PS4 sur Call of, hein, donc... Ouais, plus le Call of arrive hein, avec le temps, plus ta santé est longue et plus les ennemis sont faciles à buter. Enfin, je parle du solo, à casse-toi. Ouais. Cache-toi. On sait très bien que maintenant pour le multi, plus ta connexion est bonne et plus t'es bon. Oui, voilà. Là, c'est du solo et puis sur PS2... Il n'y avait pas internet. Vous pouvez pas jouer en multijoueur. Quand tu voyais multijoueur sur un jeu, bah, tu peux être sûr qu'il fallait brancher une deuxième manette pour jouer en écran scindé. Ouais, d'où la razzia sur Call of Duty Modern Warfare. Ouais, exactement. Oh, on va tester ça. Un sniper. Merde. Putain, si je me trompe de touche, ça va pas le faire. Allez, recharge. Voilà, toi, t'es mort. Tiens, petite question, là t'es en train de jouer au jeu, à ton avis, il a quel âge le jeu? Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui là. Ouf, le jeu il a quel âge? Ouais. Bah si je dis pas de conneries, attends hein, que... Attends, je suis en train de calculer par rapport aux autres Call of qui sont sortis. Oh, c'est une question rapide comme ça, voyons. Oh, je sais pas, je dirais 2002. Ouais, beaucoup plus vieux, beaucoup plus jeune quand même. Hein. Le jeu, il a quand même 8 ans. Il aura 8 ans en fin d'année. D'accord. Ah, il est sorti en novembre 2006. Ah ouais, il est pas si vieux que ça en fait. Il faut savoir que la PS3 est sortie en début d'année, enfin en avril 2007. Tu es sûr? Voilà. Parce que en 2006, oui, c'était pas MW2 qui était sorti. Non, 2009. Oui. Ah ouais, non, mais alors là, t'inquiète pas. PS3 représentant là carrément oui, juste parce qu'on est en 2014 et ouais c'est... Oula attends que... Vas-y, je veux pas te déconcentrer hein. Oh non du tout mais j'ai juste pas envie de crever encore au même endroit que tout à l'heure hein. Voilà, je crois que là j'ai réussi à passer, nickel. Bon attends, je vais dégager ça, hop, et je reprends ça parce que j'ai plus de balles dans le... Oh putain, en fait, tout à l'heure, je suis mort au point de sauvegarde. Non, super. Oh l'enfoiré! Et à première vue, une petite estimation de l'intelligence artificielle? Elle est quand même en normal, elle est...
elle est pas mal hard, hein, comparé au Call of récent, qui en normal, le jeu, personnellement, si je prends, je veux dire, MW3, je le mets en... Allez, on va dire quoi, normal, c'est plus quoi, c'est deuxième classe. Bah honnêtement, deuxième classe, je le fais sans mourir. Bah à limite, je meurs peut-être une fois, mais sans plus. Et là, l'intelligence artificielle, elle est quand même assez bien... Elle avait déjà été assez bien faite, je trouve. Alors moi, perso, il y a un truc... c'est tout con, hein. J'ai quand même beaucoup d'importance quand j'ai choisi un FPS. Et bon, là, je peux pas me faire un avis sur ce sujet. C'est le son des armes, le bruit des balles. Le bruit des balles, ouais, malheureusement, tu ne sauras pas l'entendre parce que je te fais un partage d'écran. Ouais, non, mais toi, en fait, c'est comme si je te posais la question, quoi. Si t'entends des tirs de bouchons ou alors si c'est vraiment. Bah écoute, je vais tester. Bah écoute, c'est des bruits qui claquent un petit peu, comment te dire. Par exemple, tu prends une bouteille en plastique, tu la. Je dois faire quoi là en fait? Ah bah je dois monter dans le char. Tu prends une bouteille de plastique et tu la plies, tu vois. Bah ça, ouais. C'est à peu près ça le bruit. Ok. Merde. Oh bah là déjà, fais ton carnage au char, je pense, à mon avis, tu vas prendre le char et exploser tous les nids de nazis que tu vois. Ah, le drapeau de nazi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un jeu avec le drapeau nazi comme ça. Même Wolfenstein, le drapeau nazi est pas exactement représentatif. Là par contre il est bien. Je pense qu'il y a eu comme un genre de censure où il n'était pas interdit, mais oui, peut-être qu'il était interdit carrément, quoi. Parce que j'en vois plus moi des jeux de la Seconde Guerre mondiale avec des nazis avec la croix gammée. Il n'y en a plus, hein? Non, plus énormément. Mais je pense que maintenant, on va dire comme ça, c'est devenu un peu tabou en fait, ce truc-là. Ouais, exactement. Ouais, de toute façon, quand tu vois sur, par exemple, JBO2, il y en a qui mettent des emblèmes de croix gammée, c'est automatiquement signalé, puis voilà, c'est un rire. Ouais, enfin, c'est plus les Kikou qui font ça, quoi. Et ouais, en fait, ils mettent ça, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Enfin, ce que ça veut dire. Bah ben évidemment qu'ils savent pas, ils savent à mon avis, ils mettraient pas, hein. Non, je pense pas. Mais bon, c'est vrai que honnêtement, rien que si, on a pas mal, hein. Il y en a encore un juste là. Ah voilà, il y en a une chine, hein. Il y en avait un ici, mais bien sûr je l'ai brûlé. Ah bah, là, un en grand. Rien à dire là. Ben, c'est vrai que à part Code 3 et World at War où on voyait beaucoup, c'est vrai que maintenant, de moins en moins de jeux. Bah, faut dire aussi, on repart plutôt sur des guerres qui n'ont pas encore existé ou qui sont vraiment futuristes. Hein, voilà, on n'en dira pas plus là-dessus. Vous voyez de quoi je parle. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils refassent un Call of un peu à l'ancienne comme ça. Je pense que ça pourrait vraiment donner. Il y a eu des rumeurs. Bon, les rumeurs sont pas vraies et c'est vraiment bien dommage. Des rumeurs sur un World at War 2. Mais moi, ça me ferait kiffer. Ah, mais carrément. Mais carrément. Je pense que ça ferait, bah déjà ça ferait kiffer beaucoup de personnes parce que World at War a quand même été pour moi un des trois meilleurs Call of qui a pu exister. Quand je dis les trois meilleurs, bah Code 4, MW2 et World at War bien sûr. Donc... Bah ouais, bah, j'adore les Modern Warfare, attention hein. Mais ça ferait tellement plaisir de faire un Call of sans se manger un bombardement furtif, un AC-130 ou un putain de Pavlo qui t'arrive sur la gueule. Hein, ça ferait vachement du bien, je trouve. Un Call of avec une série d'éliminations 3-5-7, la même pour tout le monde. Drone, bombardement et les chiens ou bien un hélico ou une connerie comme ça. Ouais. Ça pourrait être énorme. Bon. Où est-ce que je dois aller? Je pense que je dois aller ici. Là, il y a un char, c'est un char ennemi, donc on va peut-être éviter. Par contre, j'ai vu que t'avais des grenades, hein, et t'avais des fumigènes. Ouais, attends, il y a une cinématique. Les fumigènes, c'est rare quand je vais m'en servir, c'est plus les grenades que je vais me servir. Ouais, bah, ce qui est surprenant, c'est que pour c'est Triarch, et Triarch, eux, c'est plutôt Betty, plutôt que Grenat. Mais bon, hein, c'est Call of 3, alors. Ouais, puis honnêtement, les grenades fumigènes, dans aucun Call of, je m'en sers parce qu'elles ne servent strictement à rien en fait. Surtout dans le mode campagne, tu balances une grenade fumigène, les ennemis ils arrivent quand même à te tuer à travers donc. Ouais, bah oui, c'est clair que là, fumigène, quand est-ce qu'on sert de ça? En stratégie, dans des combats de team, en recherche et destruction? En 6 contre 6 peut-être? Je sais pas.
tu vois, en domination pour se jeter sur un point à plusieurs sans être vu, mais même dans le multi, c'est rare quand je vois une grenade fumigène. Oui, oh, c'est plutôt flash et paralysant. Voilà. Mais bon, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'un bon petit Modern Warfare 2, non, un petit World at War 2, ça ferait vraiment plaisir, je pense. Ouais. Ouais. Revenir sur une ancienne guerre, bah, la première guerre mondiale, il me semble, non, deuxième. Deuxième. Bah, ou même faire un Call of, mais repartir sur la première guerre mondiale. Ouais, de toute façon, avoir une première ou une deuxième guerre mondiale, l'ennemi reste le même. Oui, l'ennemi, oui, mais les armes, non. Ah, les armes, oh bah, les armes sur la première guerre mondiale, ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud. Déjà que quand on regarde là, je sais pas, tout à l'heure, t'avais le M1-40, la Thompson et tout. Voilà, ça passe, mais c'est limite quand même, hein. Faut pas mettre un cran dessous, hein. Bah, ça pourrait être bien. Moi je pense, enfin. Ça oui, au pire oui, ça ferait le talent du tireur après. C'est... Putain, mais il t'en faut combien? Voilà. Oh, et cette arme là, la MG42 sur Ça va, la Toire Zombie. Oh putain, j'adore la MG42. Bah même sur le multi, bon sur le multi elle était un petit peu, on va dire un peu cheatée. Elle est lourde, non? Ouais mais énormément de balles et Ah bah oui. Je pense hein, qu'on avait un tir rapide d'origine. Ah oui, je me souviens des deux grosses armes lourdes de World at War, c'était la MG42. La Browning et la MG42. La Browning, j'ai mis un peu moins. Elle était pas mal, hein, c'est des dégâts, mais son rechargement a duré une éternité contre un mec. Bah même en zombie avec passe-passe, elle galérait à recharger, donc... Ah ouais, non, mais c'est surtout là que j'ai touché les deux armes. Hein. C'est vraiment en zombie, hein. De toute façon, c'était l'objectif principal, avoir l'arme et l'améliorer, et puis voilà, c'est beaucoup plus. Par contre, je te coupe dans ce que tu dis, je joue sur un petit écran, hein. Donc là en fait à la base j'ai un écran de PC moi pour jouer sur PS3, donc là j'ai branché la PS2 sur mon écran de PC. Je pense pas que c'est l'écran qui fait ça, parce que quand je joue habituellement à la PS3 ou PS4 j'ai rien, mais là vu que les graphismes ça change énormément, j'ai mal aux yeux, c'est un truc de dingue. Bah ouais, c'est parce que t'es vraiment habitué à du Call of Modern Warfare, évidemment, quand on voit tout le temps jouer sur Terminal et qu'après on doit jouer ici, ça fait une différence, hein. Bah, je pense que c'est peut-être graphiquement aussi, parce que vu que les graphismes sont moins bien que maintenant, je pense que tes yeux doivent plus travailler quand même. Et bon, faut dire ce qui est, c'est quand même fort pixelisé, hein. Il y a plus de je vais pas dire qu'il y a plus de détails, mais... Il faudra refaire un autre jeu sur PS2, hein, c'est ancien, pour voir si ça fait le même effet encore. Ouais, j'essaierai avec un autre jeu peut-être un genre de Ratchet, ou pourquoi pas vous faire un petit let's play aussi sur Ratchet après avoir fait ça. Et parce qu'à la base, faut savoir aussi, avant de faire Call of Duty 3, je devais faire Need for Speed Underground 2. Mais malheureusement, à cause de mon crétin de beau-frère qui a 14 ans, hein. Oh, la dédicace. Voilà. Non, mais de toute façon, je l'ai déjà dit. Ce trou du cul m'a bousillé Underground 2, donc en gros je l'ai mis dans ma console et la PS2 au début elle a fait un petit truc bleu, un petit truc bleu, puis elle est passée au rouge. J'ai qu'à moi dire, sacrilège. Voilà, ce qui veut dire que mon Need for Speed Underground 2, il est mort. Donc, malheureusement je ne peux plus jouer avec. Bon, il balance des fumigènes, je vais faire pareil alors. Hein. Ouais, smoke the shit. Par contre, le temps de réaction quand t'appuies sur la touche et que t'as la grenade qui part, quoi. Ah ouais, je veux bien, on reste pas là, tu veux que j'aille où? Faut que je sorte. Y'a rien là-dedans. Non, je sais pas, hein, moi, pour moi... Oh, ressort. Non, mais putain, pars-toi. Y'a un mur qui me bloque. Putain. J'ai envie de dire, tant que t'es sur la médaille, ça va, mais... Ouais, mais je ne sais pas où je dois aller. Et quand tu fais ça, tu sais quoi Tenez la position jusqu'à l'arrivée... Ah, mais d'accord, bon, en fait, j'ai... Maintenant, tu le sais. Merci, grâce à toi, j'ai enfin capté ce qu'il fallait faire. Bon, par contre, le char, pas tirer dessus, ça sert à rien. Ouais, moi, quand j'ai joué, j'étais petit, j'étais jeune, j'étais con. Je me foutais un peu de l'histoire, et je devais juste rester sur le point jaune, au radar. Voilà. Ouais, la petite étoile. Je pense qu'on s'est tous repérés à ça pour faire le mode solo. Hein.
Ouais, bah la cavalerie elle arrive, ça serait bien qu'elle arrive. Hein. Ah oui, toi tu n'as pas le son du jeu, c'est parce que mon commandant vient de dire que la cavalerie est arrivée. Allez, crève. Non, crève pas. On va sortir la Thompson un petit peu. Hein. Ah bah voilà, objectif mis à jour. Toujours pas descendre. D'ailleurs, je précise que ton arme précédente qui était. Je te pose la question, est-ce que c'était la SGT, non? La MP40. La MP40, ouais. Arme allemande. Si mes souvenirs sont bons. Oui, très convoité dans World of War aussi, ouais. En multi. Et la Thompson, c'est une arme américaine. Si je ne dis pas de bêtises non plus. Oui, ouais, je connais bien, c'était une des armes que je prenais tout le temps contre le mur dès que je commençais un zombie. Ah bah oui, ça. Je crois qu'on a tous fait pareil, hein. Ouais. Mais on s'en est jamais plein. Elle est mignonne, elle est sympa. Ouais, elle va très très bien. Bon, je suis à 26 minutes de vidéo. J'ai juste fait la première mission. Ah, y a combien de missions? Je ne sais pas du tout. Non, alors là, si je plonge dans mes souvenirs, ça provoque un bug. Là. De quoi? Si je réfléchis, non, il faut même pas la peine qu'il réfléchisse parce que. Ouais, je pense que tu vas créer une surchauffe. Ouais, je vais créer ma mémoire. Là. Bon. Bah écoutez, si vous vous rappelez, hein, combien de chapitres dure le jeu. Voilà. N'hésitez pas à nous faire savoir. Dites-nous dans les commentaires si vous savez combien de chapitres il y a, enfin combien de missions il y a. Que là, je me retrouve en Amérique. C'est vraiment très drôle. En piste. Attends, tu te retrouves en Amérique? Il y a écrit une heure plus tard à Saint-Lô en France. Ah bah alors c'est en France, mais je sais pas, il y avait le drapeau américain, donc j'ai pas eu le temps de lire. J'ai juste vu le drapeau américain. Les cinématiques, je trouve qu'elles sont belles quand même. En fait, tu viens de libérer Saint-Lô. D'accord. Bon bah. Voilà. Comme t'as dit, j'ai délivré Saint-Lô. Je précise, hein. Il me semble que voilà, c'est juste après le bombardement, logiquement, parce que le débarquement, qu'est-ce que je dis ? Le débarquement qui a lieu en Normandie et tout, et Saint-Lô se trouve sur une petite ville qui se trouve sur les côtes normandes, ou en Bretagne, je sais plus, enfin dans les environs, juste à côté. Alors là, sur la tire. Le bar. Mais j'ai pas soif. Horrible. Voilà. J'étais obligé de faire un jeu de mots. Alors, le jeu de mots. Désolé pour ce bruit, c'est un mec qui est passé devant chez moi. Et je dois faire quoi? Eh bah, survivre. Escorter le tank à ce que je vois, non? Non, faut que je me mette à couvert derrière. Voilà. Oui, ce serait pas plus mal d'ailleurs, hein, parce que ça pète de partout. Là. Mais ils arrivent quand même à me toucher. Des balles traversent, c'est tout. Ah ouais, mais le bar il a un de ses reculs. Ah ouais. C'est un truc de fou. Non mais le bar, sans déconner, je sais même pas si j'ai tiré une fois dans ma vie avec ce bar. Moi je l'ai déjà testé en zombie, mais c'est de la merde. Ah bah oui, bah moi quand j'ai dans la boîte, même j'ai le pistolet, je garde le pistolet. Hein. Ce qui m'a toujours tué, c'est en zombie ce bar là, tu as le fameux bipied, tu vois. Tu peux pas le mettre. Voilà, tu vois, c'est incompréhensible. Mais tu le prends au mur sur. Je sais plus c'est sur quelle map. Je pense que c'est sur la map du. Comment De l'asile. Ah, des rise. Non, c'est pas des rise, c'est. La deuxième de World of War, c'est ça? Oui, voilà. Et tu la ramasses au mur et en fait, tu as le bipied dessus, donc tu peux la poser. Tu peux la poser sur un bord et juste derrière. Toi que tu la prends, tu peux la poser justement à cet endroit là. Moi j'ai jamais réussi à la poser. Donc voilà. Ouais bref, donc tout à l'heure je disais, je ne sais pas si je vais vous faire la deuxième mission, tout compte fait je suis en train de la commencer. Je vais encore crever. Oh non mais attends, mais Là c'est un peu abusé, ils auraient pu me donner plus d'armes que ça. Hein. Mais ouais mais ça pète des deux côtés là. Aux fenêtres en plus. Ah oui. Ouh, barre-toi. Putain. Putain, la grenade, j'ai eu chaud. Attends, toi, laisse-moi passer. Il me faut une autre arme que ça. Je crois qu'il faut déjà que tu rentres dans les maisons, non? Parce que t'as deux petits objectifs à faire.
Mais j'arrive pas à le tuer. Voilà, j'arrivais pas à le tuer. Ah. Échec de la mission. Peut se relever, mais celui avec lequel vous avez. J'ai pas. Voilà, en fait, t'as pas le temps de lire. Ah, sympa, des anecdotes. Ouais. Ouais, mais t'as pas le temps de les lire. Ouais, bon, c'est pas grave. Non, je pense encore faire une petite dizaine de minutes de vidéo et après, je pense en rester là. Je pense que 40 minutes pour un épisode, c'est pas mal. Oui, oui. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas courir. Alors, on va sauter pour aller un peu plus vite. Oh, c'est horrible, attends, mais t'es sûr? Écoute, y a pas l'air que... Non, mais sérieux, ah, regarde-moi ça! T'arrives, tu crèves. Ah ouais, non, mais je sais pas, moi, un rush sur une baraque, hein. C'est pas possible. Ouais. D'ailleurs, à mon avis, les deux baraques, il faut que tu les nettoies. Parce que je vois que t'as deux objectifs à faire. Ouais. Deux médailles dorées, et c'est les deux baraques où il y a plein de... Donne-moi la P40. Voilà, merci. En fait, il y a plein de mecs dedans. Je vais essayer de rentrer dans celle-là, parce que tout à l'heure, j'ai merdé. Je crois que j'aurais dû rentrer dans celle-là en premier. C'est con que t'as pas de cocktail Molotov. Avec le flanc qu'il y a, j'éteins, c'est bon. C'est réglé. Bah, j'en débloquerai peut-être après. Voilà, objectif mis à jour, donc ça c'est fait. Là voilà, une baraque de nettoyer. Maintenant, on va aller faire l'autre. Ah, c'est chiant, putain, on peut pas courir. On reste pas là, allez. Tu peux pas courir, mais tu vas plus vite que tes camarades. Oui, j'avoue. Mais c'est pas des cocktails Molotov, ça? Ils courent très vite. Non, c'est à boire, à boire, à boire. Aïe, mais putain, c'est pas un ennemi, lui. Il fait quoi, l'allié derrière Il n'est pas autorisé. Bon, ça par contre, l'intelligence artificielle des alliés dans tous les Call of, elle est merdique. Ouais, voilà, le seul truc qu'il y a, c'est que t'avances, ils avancent, voilà. Tu t'arrêtes, ils s'arrêtent. Oh, le fail. Ouais, mais bon, ça va, t'as encore envie. Aïe, putain, mais il est où ce con? Bah oui, tu l'avais pas tué. Je l'ai pas vu aussi. Ah, mais t'as vu avec quoi il me tire dessus aussi? Bah, allez, ça. Ah, c'est tir rapide le truc. Voilà, donc objectif mis à jour. Des munitions, ça se prend. Voilà. Allez. Je t'écoute. Rejoignez la section, bah c'est fait. Atteignez la première ligne de défense anti-char de la colline. Ok. Allez, c'est bon. Je peux pas, faut attendre. Bah ouais, faut attendre qu'il fasse son baratin. Voilà. Bah sinon, j'avais une petite question à te poser avant que. Bon, ça va, on a encore un petit peu de temps, mais je vais te la poser quand même. Mais pas sa question. Que penses-tu de ma série Retro Gaming? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Enfin, de moi, ton avis. Bah oui, ça change, évidemment que ça change. Je dois pas être le seul à le penser. Après, ça dépend aussi, c'est les jeux que tu choisis en rétro gaming. Ça, à mon avis, ça a un peu son importance. Tout à l'heure, tu parlais de Need for Speed en Dark Souls 2, moi je trouve perso que c'était un très bon choix. Ouais, bah malheureusement, quand t'as un trou du cul de beau-frère, bah voilà quoi. Puis après, bon bah, ouais, tout dépend vraiment des jeux que tu choisis. Mais après quelques petits épisodes de 30 minutes comme ça, je pense que ça peut que apporter du plus, hein, et rien de négatif. De toute façon, ça sera un épisode par semaine, ou là-bas on va peut-être éviter d'aller, je pense. Hein. Oui, il n'y a aucun problème. J'ai niqué une grenade pour rien. Écoute, là par contre, je pense que la grenade fumigène va peut-être me servir. Ok, si je la balance mal, elle va pas me servir. J'en ai plus, c'est super. Allez, balance la grenade. Ok, j'ai tout. Alors, si je comprends bien, quand tu tiens ta grenade, et le petit cercle rouge qui apparaît, c'est le temps que la grenade met à péter, c'est ça, hein? Oui, voilà, t'as tout compris. On a plus ça, nous, maintenant. Hein. Non. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand je joue un code... de prendre une grenade, de compter jusqu'à 3 et de la balancer pour qu'elle explose quasiment à l'impact de l'adversaire auquel j'ai jeté la grenade. Ouais, bah moi c'est ce que je fais. C'est ce que je fais aussi, je calcule le temps en fait. Oh. Ouais, il y en a beaucoup, tu sais, qui jettent leurs... les armes.
qui jettent leurs grenades à l'arrache, quoi. Et puis bon, bah, t'attends de te barrer, évidemment. Attends, je recharge, je regarde s'il n'y a plus d'autres mun. Non. Ça aussi, c'est une bonne petite arme qu'il y avait dans World Nator. Ouais. Au chargeur très faible. Ouais, chargeur faible, mais une bonne cadence de tir et de bons dégâts. Allez, recharge. Non, bon, j'ai dû faire le ménage avec ma grenade. Par contre, la précision de cette arme, voilà quoi. Je me demande si dans celui-là, il y a du sniper. Oui, juste là, regarde. Oh putain. C'était le carc. Mais bon, bien sûr, il n'y avait pas la lunette dessus. Des quick scope. Allez, vas-y. Quand il y aura un ennemi, je vais essayer. Fais-nous rêver. Non, j'ai cru. Voilà, de toute façon, faut que j'aille par là. Bon, je vais sauter, ça ira peut-être un peu plus vite. Oups là, il y a du people. Bon, bah écoute. J'en ai rentré deux là, je sais pas si t'es content. Ah, non, ça c'est des copains. Oh, mais. Et ouais, je. Ce serait un peu me la péter, me dire, ouais, je me souviens de ce passage quoi. Mais bon, si juste après tu te trouves dans les tranchées, je me souviens du passage. D'accord, mais je pense qu'à mon avis on ne va pas aller jusqu'aux tranchées. Oula. On est déjà, ouais, 40 minutes, ouais, 36 minutes de vidéo. Je pense que prochain point de sauvegarde, je vais m'arrêter, sauf si je crève avant. Bon, écoute, je vais aller jusque là. Bien ami. Tout ce que tu espères, c'est qu'il y a un petit écran en haut. Objectif atteint ou point de sauvegarde en cours ou n'importe quoi. Ouais, mais comme par hasard, il n'y a pas. Mais allez, Richard. Ouais, bon, ok, voilà. Échec de la mission. Bon. Bah écoutez, bon, bah, voilà. Je pense qu'on va, on va s'en arrêter là pour l'épisode 1. Donc n'oubliez pas de me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez participer à l'épisode 2, à l'épisode 3, à l'épisode 4. Bah, vous mettez votre pseudo Skype dans les commentaires et pourquoi pas que vous serez à la place de l'alchimiste pour le prochain épisode. Oui, rejoignez-nous. Comment je fais ? Auto-sauvegarde activée, donc je pense que ça a sauvegardé. Ouais. Bon, ouais. C'est pas grave. On va s'en arrêter là. Hein. Tu fais le jeu sur la PS2 là. Ouais, je fais le jeu sur la PS2. Oui, t'as une carte mémoire et tout. Oui, elle est vide. Bon, elle est plus vide maintenant, rassure-moi, vu qu'il sauvegarde là. Oui, non, il y a la sauvegarde, bien sûr. Donc, ben voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit let's play vous plaît. Donc, n'oubliez pas, hein, si vous voulez y participer, ben, un petit message, un petit commentaire avec votre pseudo Skype et voilà. Donc ben, encore merci à toi d'avoir participé à ce premier épisode. Mais de rien, c'est un plaisir, je te remercie. Et moi sur ce, je vais vous dire gardez la patate et ciao tout le monde. Salut tout le monde.